Jusqu'à présent, Capucine Anav avait pris le soin de cacher le visage de sa fille Lola. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'actrice a décidé de faire un beau cadeau à ses fans en présentant son bébé. Le premier Noël, ça se fête. Depuis quelques jours, les stars inondent leur compte Instagram de photos de leur fête de Noël. Nagui, Nabila ou encore Cyril Hanouna prennent la pose devant leur sapin de Noël. Si est-il occasion aussi pour certaines célébrités de célébrer l'année 2023 qui les attend. Les gens zéphyrins ont profité de leur premier Noël à 11, tandis que Capucine Anav découvre pour la première fois les fêtes de fin d'année en tant que maman. Si est-il tout naturellement sur son compte Instagram, aux côtés de son compagnon Victor et de sa fille Lola, que l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a partagé son bonheur. Pour l'occasion, elle dévoile même le visage de sa fille, pour la première fois, à sa communauté. Capucine Anav heureuse entourée de sa famille, je suis heureuse en ce soir de Noël de vous présenter officiellement ma Lola. Tellement heureuse. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, a annoncé Capucine Anav sur son compte Instagram, sourire aux lèvres. Il ne fallait pas plus pour attendrir toute sa communauté. Magnifique, très jolie famille, longue vie à Lola, joyeux Noël. Est-il possible de lire en nombre, accompagné des messages de Jérém Star et de Laurence Boccolini? De beaux messages pour le couple qui a déjà vécu les angoisses de jeunes parents. Une maman déjà sous pression le 13 novembre dernier, Capucine Anav donnait naissance à son premier enfant. Alors qu'elle a immédiatement partagé son bonheur à ses fans de l'arrivée de sa petite Lola, elle a aussi raconté les problèmes de santé de sa fille. Quelques jours après sa naissance, le bébé était touché par une bronchiolite, provoquant des difficultés respiratoires. La famille a été obligée d'aller aux urgences et le nouveau-né a dû être placé sous sonde pour pouvoir mieux respirer. Début décembre, Capucine Anav annonçait une bonne nouvelle à ses fans, la petite Lola allait mieux. Toute la famille a ainsi pu rentrer à la maison pour profiter des fêtes de fin d'année. De bonnes augures pour l'année 2023. À lire aussi, il faut surveiller sa respiration, inquiète, Capucine Anav revient en détail sur la première nuit aux urgences de sa fille Lola.